y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est Monsieur Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de Monsieur Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration.